Allez, on va continuer. Ah, putain, c'est pas vrai. On va surtout retrouver Internet, parce que j'en ai marre. Que je puisse enlever ce... Non, pas celui-là. Que je puisse enlever ce truc à la con, là. D'accès. Oh merde. Ça pour virer cette ce truc parental là. Allez, vas-y. Allez, c'est bon quand même. Les alertes sont désactivées. Ça s'est docké. Voilà, très bien. Oh non, c'est pas vrai. Les gosses, quoi. Au secours. Au secours, les gosses. J'en reviens. Voilà. Alors... Enfin, on y est. Enfin, nous y sommes. Ce stream de professionnel, quoi. Ce stream de professionnel. Enfin, c'est bon. Ça a été compliqué, les amis. Ça a été compliqué. Il a fallu changer de jeu, il a fallu retrouver un réseau internet qui avait disparu pour pouvoir enlever ces putains d'alertes. Enfin, bref, la totale quoi. Attends, tu peux passer par là, non? Non. Ah oui, donc du coup, on s'était dit qu'on savait pas ce qu'on faisait. Lui, il se casse. Il y a peut-être un truc à faire avec la lumière, non? Que là, attends.
Ah, tu peux pas monter non plus comme ça. Attends, mais il y a forcément un truc à faire. Quoi ? Mais qu'est-ce que ça, j'ai pas fait ça. Eh, ça sort d'où ça? Putain! C'est de la thunasse! C'est de la thunasse! Mais y'a de la thune partout dans ce jeu! T'arrives là-haut, t'aspires les murs, y'a de la thune! Y'a de la thune partout quoi! Eh merde, viens là toi. Non. Bon, y'a un truc qu'on a raté, c'est obligé. Bah bon, lui il est complètement bugué. Lui il est bugué complet le truc. Est-ce qu'il y avait pas une lumière à bouger, un bordel là? Que j'ai activé la... J'ai activé la... L'électricité. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent. Encore. Et toujours. Ah oui. Je l'ai déjà prise celle. Il l'a pas sauvegardé ce truc là? Ah merde. D'accord. Attends, s'il a pas sauvegardé ça, c'est un peu embêtant. Il y a de la thune ici aussi et il fallait récupérer le truc là-haut. Dans le... Dans le loulou coupé. Et... Attends, du coup, ça veut dire que là, il faut activer la thunasse. La thunasse, la thunasse. Merci bien. Mmh. On a la thune. Et donc du coup on a l'hélicoptère à faire bouger. Hop. C'est dans le sens, faut le pousser je crois, non? Non, c'est bien comme ça pourtant. Téléphone. Téléphone, téléphone. Bougez pas, bougez pas. Je mute. Heureux. Bon.
Bon, bah, tout ça nous dit pas ce qu'on peut faire aussi. Parce que bon, chose qui est certaine, c'est que là-bas, il faut lancer la petite la cordelette et la bobinette de chair. Mais, pour ça. Moi, on aura le prix des billets, il sera toujours 7 prix. Mais on est trop loin pour le truc. Et attends. Ça, c'est le. C'est le truc qui va jusque là-bas pour l'électricité. Oui, pas de soucis. Ça, c'est pareil, celle-ci, elle. Et j'avais pas vu qu'il y avait des gonds, là. Mais il y a des gonds ici, là. Non, il veut pas. Les deux, ça marche pas. Non, hop. T'as ce jeu de publicité Dyson, quoi. Bon, bah alors, attends. On va faire simple, hein. On va encore faire la ventouse. Voilà. Putain, c'est quoi ça? Ah, punch out! Qu'il faut aller niquer ces trucs là quand même. Non, c'est de l'autre côté qu'il faut les tout foutre en l'air de toute façon. Ouais, c'est ça. Allez, on va les tout foutre en l'air du coup. Enfin, je suppose que c'est ça. Parce que... Non, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre avec ce truc. Hein. Ah. Donne ça! Ah non, c'est pareil. Merde, elle sert à quoi ce truc là, non? Faut niquer lui là? Non, c'est pareil, ça change rien. Attends, on a bien récupéré un truc pour flinguer quelque chose. On a de mon gant. Qu'est-ce qu'on pourrait niquer? La caméra là-haut? Le poste de télé? Non. Caméra. Pourquoi il faudrait niquer la caméra? Pourquoi pas? Ah non. D'accord, là, donc t'as tous les billets là-haut. Donc t'es content, t'as niqué les billets. Est-ce que tu peux niquer les spots là? Hop. Les spots. Non, tu peux pas. Et là-haut, là, il y a quoi? Ce truc-là, là-haut, là, non? Non. On redonne ça. Non plus. Vraiment curieux. Hein. Ça donne rien. Putain, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour niquer ce truc-là? Les spots, tu peux pas. Les spots, on est d'accord, j'ai testé correctement ou j'ai fait de la merde. Putain, cette musique, t'as l'impression d'être chez Disney, quoi, c'est affreux. En plus, ça, t'es plus ou moins guidé sur ce que tu dois. Par là où tu peux taper, quoi. Que bouge, j'imagine pas qu'il faille les qu'il faille lui mettre un coup dans la tronche, si. Bon. Alors ensuite, la téloche, on a niqué la téloche. Hop. Il y a un pied, mettre un coup de pied dans le... un coup de poing dans le pied. Pas improbable.
pas tout perdu, mais bon. Attends. Il y a des trophées là, peut-être les faire descendre. Putain, mais c'est un truc de fou. D'accord, génial. C'est quand même bizarre ce truc. C'est quand même bizarre cette idée de pouvoir faire bouger les projos avec l'aspirateur et pas pouvoir t'en servir. Oh putain, mais il fait chier. Faire bouger le projecteur avec ton aspirateur. Soit tu mets les deux, vu qu'il y a deux projecteurs, est-ce qu'il faut mettre les projecteurs au même endroit? Ce serait quand même curieux ça. Ouais, je suis bloqué complet. Oui, parce que là, lui, il peut pas grimper là-haut. Non. Truc con, mais tu passes pas par la télé avec. Parce que dans les trucs avec des grilles. Ah, ça, je suis trop loin. Non. Ah, mais non, mais du coup, ça marchera pas. Parce qu'il faut pas être, faut être dans la même pièce. Non, mais voilà. Vraiment curieux. Ou alors il nous manque un truc, faut que je retourne au labo peut-être. Qu'est-ce qu'il nous dit le boulot? Alors, il y a un téléviseur qui ressemble fortement à mes inventions, il fonctionne peut-être de manière similaire. D'accord, merci, ouais. Si on a besoin de rien, on te demande quoi. Voilà, faut vraiment être proche, non, comme ça? Tu te mets à deux, parce que si tu te mets à deux, tu peux pas l'avoir le truc. Tu peux pas faire deux. Et pas devant tout et les unes sur les autres quand même. C'est bon ça. Non. Bon, bref. C'est un délire ça. De gants de boxe. Genre le gant de boxe il sert à rien. Il faut quand même pas défoncer la porte au gant de boxe. Ça n'a pas de sens. Évidemment on n'a pas la clé.
Est-ce qu'on peut niquer les lampes? Plus. Ah tiens, oui, il y a X là. Putain, mais depuis tout à l'heure, je tourne comme un con pour ça. Une blague. Ah bah si, c'est ça, tu peux passer à travers la téloche. Mais ça me semblait tellement Putain, mais dans ce jeu, il y a des fois, je suis vraiment de la merde. Donc du coup, on a eu un grand box pour rien. Quelle tragédie! Suis-je donc fini? Est-ce là tout ce que le destin m'a réservé à moi, Oscar? J'étais pourtant le réalisateur le plus talentueux de ma génération. Eh, salut Christophe, ça roule? Moi qui avais un avenir si prometteur, comment ai-je pu perdre une chose si précieuse? Je ne suis qu'un réalisateur minable, un raté, voilà la réalité. Même l'éclat de ce bouton n'est plus que fadeur. Mon cher mégaphone rouge, où peux-tu bien être? Je donnerai tout pour pouvoir tenir à nouveau mon cher mégaphone. Quelle tragédie, on est fichu perdu sans mon précieux mégaphone rouge. Ah oui d'accord, donc il va falloir retraverser les scènes. J'imagine bien. Oh putain, c'est quoi ça? Putain, il y a de la tunasse, il y a de la tunasse, il y a de la tunasse. Il y a de la thune, il y a de la thune, il y a de la thune. Il y a quand même un grand cœur, Luigi, parce que... Bah ouais, ça va pas mal. Ça va pas mal. Mais non! Le début du stream a été difficile, sachant que apparemment Anna a rejoué la Switch et à Link's Awakening. Forcément, quand j'ai lancé le jeu, c'était pas forcément Luigi's Mansion, quoi. Merde, putain. Alors, on va y aller doucement parce que vous. Voilà, non, si, ouais, hop. Bah, tu peux pas le casser ce truc-là?
Un truc. Ah, tu as des Delivery Toad? Ah oui, c'est bien. Et force Toad. Attends, je vais tirer par là, là. Hop. Ah, attends. Hop. Ah, on va te mettre là. Ah, voilà. Putain, ça n'avait pas cassé. La gueule, lui. Il saoule ma gueule. Ouais, ça semble plutôt logique qu'il faille du feu. Ouais. C'est des sacs de poussière d'habitude. Aurait été mieux que des sacs de thunes. Ah bah tiens. Il y en a eu deux en fait. Toi tu viens là toi. T'es trop tôt maintenant. Ouais non, trop tôt. Hop 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 hop. Alors, qui a-t-il par là? Ah oui, du coup là, ça l'a allumé. Alors, il y a pécho des... Ça, c'est des grosses pièces. Oui, regarde. Ça doit être le mégaphone du réalisateur. On dirait qu'il est pris au piège dans ses toiles. Ah, tiens. Ouais. Tu vas pouvoir y aller, toi, dans le goulot, là. Non? Allez, fonce. On peut les prendre, ça. Ça se prend pas ça. C'est Zavi. Tu devrais pouvoir récupérer le mégaphone en mettant le feu aux toiles d'araignée. Ah. Il faut vraiment du feu quoi. Oh putain. Putain, c'est une galère. Ah ouais. Ça tu repars à l'entrée, non? Pauvre petit réalisateur. Ah, un. On va peut-être commencer par le début. Commençons par le début. Attends, c'était X. Une citrouille. Une citrouille! Qui fait Luigi, reste là. N'aie pas peur comme ça, n'aie pas peur comme ça. Voilà, attends, il y a quoi là? Petit canard.
Mais sur fond bleu, c'est bon ça. Je peux y aller dedans, moi non? Ah non, je peux pas. Ok. J'ai un masse de trucs ici, évidemment. Évidemment. Allez, soupire-toi. D'accord. D'accord. Si tu viens ce truc-là, ça fait quoi? Ok, pas grand-chose. Commencer par activer toutes les télés, on verra ensuite. Oh, fuck là. Il répond pas. Il répond du coup. Ah, du feu. Du feu, du feu. Ah, le feu, ça serait double exploit. Ah tiens, là-bas. Là. Hop. Oui, d'accord. Mais encore. Ces conneries. Je peux pas grimper. Grimper par là. Il veut pas grimper. Mais non. Mais non. Non, ça il veut pas. Non. Et d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que lui il va passer lui, non? Ça se trouve, il y a un truc là-bas, c'est pour ça. Non. Plus. Curieux tout ça. Voyons. C'est bien. Bah c'est obligé que ça se passe par là. Ou alors il y a un truc à révéler encore. Peut-être dans la tower. Non. Attention. Ah merde, j'ai oublié d'activer la téloche. Kiffe-toi. Kiffe-toi, petite T. On va regarder la caméra. La caméra, c'est toujours une bonne idée, c'est toujours plein d'indices. Passe-toi. Mais non, putain. Voilà.
D'accord. Tu l'as poussé à la caméra ou pas? Sur son oreille, non? D'accord. Putain de souris à la con. Ah non, c'est les bananes. Ça se trouve, il y a un délire avec les fonds bleus à changer entre chaque pièce. Vu que c'est la seule pièce où t'as le fond bleu, où t'as du feu, je veux dire. J'imagine bien un truc comme ça. Il y a une échelle en plus, comme par hasard. Ah bah là tout est en feu en plus. Comme de par hasard. Tu vas être derrière la caméra, Luigi? Dans ce cas, tu vas devoir trouver quelqu'un à filmer. C'est intéressant, ça, comme truc. C'est fait strike sur YouTube? Pourquoi? C'est quoi ces conneries? En plus, je vois pas ce qui justifie un strike de Mediaville, quoi. Toi, tu me diras, je te dis ça, mais le nombre de strikes que j'ai eu sur les quelques lives que j'avais fait, moi, bon. Franchement, le nombre de strikes que j'ai eu aussi, moi. Musique d'un passage sous l'eau. Pas été logique, quoi. Ah oui, d'accord. Alors, toi, tu fais du malin? Merde. Laisse-moi tranquille, toi. Donc, comment j'avais fait tout à l'heure pour lui virer son truc? J'ai bien tiré deux fois, mais non. Ah, bah si, c'est bon. Là, de toute façon, il était pas assez près. Ils sont allés les fantômes. Ils sont dans le film. C'est dans 2 minutes.
Et pour 2 minutes, ils ont strike toute la vidéo, évidemment, oui, c'est logique. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Enfin, plutôt, c'est plutôt l'inverse, d'ailleurs. Ces petits bâtards. Oh yeah! Au final, je crois qu'Anna a eu peur de Luigi's Mansion. Ouais, c'est bizarre, hein, ne pas strike sur Twitch. Mais qu'est-ce que ça m'avait fait aussi comme. Je crois que c'était pour les Batman. Hein. Les Batman, ils étaient strike sur YouTube. Une vidéo sur 3, je crois, ou sur 4. Et sur Twitch, ça passe. Qu'est-ce que je te dis, Qu'est-ce que je te dis? Luigi, ce plateau est en feu! C'est exactement ce qu'il te faut pour voler l'étoile d'araignée. Il faut juste que tu trouves de quoi transporter le feu jusqu'à l'autre plateau. Ah bah oui. J'avais bien compris. Ah, il veut pas... Si, ça marche. Comment est-ce que tu comptes transporter ça? C'est quoi ça? Ah, c'est extinct. C'est là, c'est un terre. Comment tu veux transporter du feu sur le plateau? Tu peux pas changer? Si, ah, tu peux peut-être l'envoyer dans les. Je peux pas l'envoyer dans l'écran, lui. Si. Si, tu pars avec. Ah oui, tu pars avec. Ah bah, excellent. Tiens, hop. Allez hop, film. Allez, il n'y a pas longtemps de filmer lui. D'accord. Souris verte. Putain, mais... Casse-toi avec ton truc, là. Voilà, très bien. Mais quand tu comptes transporter ces conneries-là? Attends, par contre, du coup... Qu'est-ce que ça donne le plateau là? Ce petit côté chéri, j'ai rétréci les gosses. Comment tu comptes transporter du feu?
Franchement. Oh mon Dieu! C'est une fosse? Non, ça va. Ouais, c'est... Ah, c'est pognon, là, un peu. Alors, il faut aller chercher la torche dans le... Faut aller chercher la torche dans le truc là. Merci bien. Bon alors go. Go sur le plateau. Lequel d'ailleurs plateau? C'est celui-là. Il y avait quoi là, celui-ci là? Hop. Parfait. Action moteur, ça va tourner. Tiens, c'est quoi ça? Ah, c'est pour faire une petite machine à fumer. Fumer des billes là. Ok, allez, action moteur, on tourne, c'est parti mon kiki. Il fait moche. Ce petit plan de caméra. Le monstre le moins crédible de la Terre. Je peux pas aller dans le fond, non? Bah non, forcément, c'est l'écran bleu. Bon, pas rien faire sur ce plateau. Ok. Bon, allez, de toute façon, on sait que la torche, elle est dans la tour qui est là-bas, au plateau. On va appeler ça plateau médiéval, plateau jaune. C'est la torche qui est là-haut qu'il faut qu'on récupère. Ok. Ah. Ah putain, il faut de la flotte là. D'accord, il faut de l'eau ici. Extincteur ? Extincteur ! Ah, quoique l'extincteur, c'est pas vraiment de l'eau. Mais joue avec ça. Tu vois, ça lui utilise une torche. Grâce à elle, tu pourras transporter du feu. Trouve un moyen de grimper là-haut pour mettre la main dessus. Oui, merci. Merci bien. Merci bien, merci bien. Parce que attends. Là c'est pour le feu, machin. Parce que là il y avait rien qui te faisait de la flotte là. Pas d'autres accessoires ici. Toc 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 toc. Non. À partir du principe que ces extincteurs me suivent. D'accord pour dire que ce n'est pas forcément que de l'eau, mais on s'en fout. C'est un jeu vidéo. Et l'extincteur, tu ne peux pas le prendre. Je ma gueule, quoi. Allez, Sylvain. Bon, nique-toi. Eh. Hey.
Ah bah alors. Ça va et toi? Ça va, ça va. Tiens. Attends, je sais qu'on avait trouvé de l'eau tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais? Et remonte. Franchement, les caméras, elles ont changé. Le son caverneux, le son du jeu ou... Je suppose que tu parles du son du jeu. Ça, tu peux les prendre ceux-là. Évidemment. Pendant que c'est pas les extincteurs qui te permettent de faire pousser la plante. Ah, le vocal. Bah, le vocal, j'y ai pas touché, alors... Si c'est devenu caverneux, c'est un peu chiant, quand même. Le vocal, j'y ai pas touché. Attends, je vais voir ce que ça fait quand tu t'écoutes. Ouais, essaye. Bah écoute, moi quand j'essaye, ça fait pas caverneux. Et puis je vais arrêter de mettre le truc parce que c'est vachement perturbant en fait. Là, y a pas de flotte là. Il n'y a pas de flotte. Allez, là, là. Quoi ? T'es là, la flotte, mais vous. Luigi, il y a un puits. Si tu avais un seau, tu pourrais transporter de l'eau avec toi. Est-ce qu'en arrosant une plante, tu pourrais faire pousser assez haut pour s'en servir comme une échelle? Mais oui, bien sûr, c'est ça. On l'avait compris, du con. On l'avait compris. On trouve un fucking seau maintenant. C'est quoi ça? C'est la tête de gorille, ça. Tête de gorille. Attends, où c'est qu'on avait vu un saut? Il est là! Il est là! Il est là! Je parle. Ah et putain, et du coup... Et c'est là qu'il faut faire le truc là. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Et voilà, elle saute dans les mains.
Oh, ce travail, quoi. Passer de salle en salle et de part en part. Après, l'idée est originale, quand même. Ah, le chat. Hop, voilà. On s'allumer un peu la lumière, parce que... Tout brûle. Fantôme qui a débarqué. Ah, casse ça, mon chat, ça. T'as de ça, mon bonhomme. Et surtout, toutes ces thunes. Hein. Une perle, oh une perle. Ah. Oh yeah. Allez, allons chercher cette torche. On l'a bien mérité. Allons prendre ces pièces. On l'a bien mérité. Ah oui, d'accord, évidemment. T'aspires la torche, ça éteint le feu, du coup tu as allumé ta torche. Chez les pompiers. Logique quoi. Aïe. Alors les pompiers. Et enfin on pourra aller brûler cette saloperie de la toile d'arrêt. Ah c'est parce qu'il est en train de pleurer, parce qu'il a besoin de récupérer son mégaphone rouge. Et voilà. Luigi Pyromane, c'est parti. Ah mais attends, si là tu fais ça, ça va l'aspirer. Du coup, ça va encore faire de la merde. Non? Ah non. Donc c'est par là. C'est donc par ici. Et enfin... Ah c'est marrant, tu peux pas, il faut être dans le film pour faire ça. D'accord. Ok. Oh, tu peux brûler tout ça.
Ah mais non, c'est parce que c'est sous, c'est parce que c'est la. C'est l'araignée en fait qui. C'est pour ça que tu peux l'ouvrir. Ah ah ah. Et voilà, Peckham. Mégaphone rouge. Il est bien fun ce niveau. Il est bien fun. Tiens, de. Prends ça. Oula, regardez-moi un peu. Ne bougez plus. Je ne l'avais pas encore remarqué, mais votre visage a des traits intéressants. Ouais, l'araignée dorée, mon père. Je ne l'avais pas encore remarqué, mais votre visage a des traits intéressants. Et votre posture est pour le moins atypique. C'est plutôt prometteur. Je vais faire de vous une star. Je sens ma gravité renaître de ses cendres. Commençons immédiatement le tournage. Mais où est passée mon équipe? Allez, tout le monde en place. Non mais l'araignée dorée, c'est celle qui était dans les cartons, je les ai prises hein, toutes. Action. Bah c'est Godzilla quoi. Que je vais faire. Putain, allez, retourne-toi. Ah non, tu peux pas la prendre. C'est moche si tu peux pas faire ça. Mais c'est toi, tu tues même pas un coup de lumière, il va pas se transformer en. Putain, par derrière, tu peux pas lui mettre un coup de truc non? Non, il veut pas. Voilà! Quand le kaiju crache une boule, il faut vous la lui renvoyer. Ah oui, il faut que vous la lui renvoyez. Bah, je veux bien, mais. Ah si du coup. Ah, tout à l'heure pourquoi ça. Ouais du coup ça. Ça va abîmer son costume. De mettre sur les murs quand t'es passé à la télé. Ah merde. Je sais pas quand ce que tu peux acheter comme autre truc. Parce que les os. Mais putain. Parce que les os j'ai bien compris mais Et pour le reste Pour le reste je vois pas trop à quoi ça sert pour l'instant.
Peut-être un autre truc qui va se débloquer. Il faut que de la puissance émane. Ah, il faut les deux là. Okay. Il faut les deux. Allez. Tu peux acheter des objets qui t'indiquent où sont les gemmes sur les maps. Ah oui, c'est bien ça. Très beau travail tous les deux. Je crois que nous tournons à la chef-d'œuvre. Putain, mais bouge. Ce vieux réflexe que j'ai de bouger la caméra, c'est Vous êtes sur le point de devenir une star. Allez, caméra. Quel jeu d'acteur. Oh, voilà ce que j'appelle de l'art. Allez ici toi. Mon petit pote là. Coupé. Oh, il a l'air content. Il a l'air content. Il a sorti le bouton d'ascenseur de son cul. Ça c'est beau. I'm a star. I'm a star. Ça se trouve, il y avait des trucs à péter aussi là pour avoir le dernier dernière bobine. Nous ne le saurons jamais. Ah si, tiens, une porte là peut-être quand même. Le mec qui nique tout normal. Tiens. Moi, quand je vais chez les gens, je pète tout. On le laisse tranquille ou faut le... Il faut aussi le pouvoir emprisonner lui. Parce que ouais, je le trouve plutôt sympatoche hein, comme fantôme. Moi je le trouve plutôt sympatoche. Bon bah du coup on l'aura capturé. Un truc à faire ici ou... Non. Quand tu finis d'abominer le film, non ça... ça fait rien. Bon, ça ne fait rien. Je pensais que c'était un délire comme ça là. La dernière, mais...
Bon, du coup, on aura capturé tout le monde. Oh, c'est cette musique de Disney, quoi. Ah, du coup, je vais voir s'il en vend des trucs. Et du coup, Christophe, je sais pas si ça s'est activé sur notre chaîne, là, les points, là. Le chat, il a 9 vies, là, il a bouffé le bouton 9 secondes. C'est reparti. C'est là qu'on a besoin de ça, du coup, non? Elle est partie où, cette chatte? Elle est repartie par là? S'emballer avec des points, c'est comme aussi la Twitch tune. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais. D'ailleurs, sinon, si tu sais pas quoi faire et que t'as un Twitch Prime, tu peux... Ah, c'est moche. Ben, c'est vrai. Je te cache pas ma tristesse, quoi. Ouais, ma déception, ma tristesse. Tout, quoi. Ouais. Moi qui pensais pouvoir acheter de la viande pour Noël, du coup... Bon bah là, elle veut pas descendre cette saloperie d'araignée. Elle va lui balancer un truc à la gueule. Ah bah tiens, elle est redescendue là. Évidemment. Luigi, as-tu perdu l'ectochat? Dans ce cas, sors ton révéloscope. Ah bah oui, c'est vrai. Les fantômes peuvent laisser des traces. C'est vrai, j'ai oublié ça. Ce détail. Le révéloscope. Ah, il est là, le chat. Moi, vouloir être chat. Tiens. Ah mais c'est pas vrai ça. Autre chose à faire que d'emmerder les gens, vous. Ah, attends. Attends, je comprends pas. Tiens, ça. Et là, il veut pas lui remettre un coup dans la gueule. Son chapeau, hein. C'est là. Ah, quand même. Mais foutez-moi la paix, oui. Ouais. Dans la douleur, mais yes quand même. Ah, tiens, il y a l'ectochat. L'ectochat. Évidemment. Tiens. C'est quoi ce chat?
quand même pas un délire avec la caméra là, non? Non, j'ai bien l'impression que c'est fini le délire avec la caméra. Ah, si tu peux remonter là? Quand les cloches approchent, c'est le moment. Sois patient, attends que l'occasion se présente et éblouis-le un bon coup. Ah oui. Évidemment. Il me fait perdre combien de thunes, cet enculé? Rien, ce con là. Je sais pas si on pouvait tourner avec le... Je trouve quand même qu'il est pas exempt de défaut ce... Mais je sais, j'ai compris, connard. Il est relou, il est toujours... Faut les bluer à fond, genre, non? Il y a un truc qui a chué mal. Hein. Vous saviez descendre, non? Vous saviez l'air de descendre, non? Mais putain, mais je sais, j'ai compris. La gueule, lui. Il veut pas venir, hein, si. Mais putain, mais ta gueule. C'est bien le sois patient, quoi. Chou, ça, non? Ou alors c'est avec ça là, non? Éblouis un bon coup, hein, c'est-à-dire qu'il faut le charger à fond le truc. Hein. Ça fait rien, c'est ça, je comprends rien. Ouais, ce petit bar, c'est tout ce que ça fait. Ça n'aime pas descendre sa vie. Putain, et l'autre, il répète toujours la même chose qu'il soit vraiment de la gueule. Ça change rien. Ferme là. Ah oui, il se barre ce con. Peut-être sans l'éblouir, il se barre.
Et mais il est relou, mais chiant comme la pluie. Lui, il a un bon coup. D'accord. Ça change pas vraiment le problème, en fait. Il se barre. Ça, ça a buggy ou quoi? Parce que là, à un moment donné... je l'ai voulu à donf, ça marche pas quoi. Ouais, franchement... Je sais pas si ça le touche en fait le truc, le rayon de lumière, si. Je sais pas si c'est parce que je joue avec la manette pro, mais mettre la lumière sur le bouton A, devoir t'orienter avec le joystick droit plus le truc, c'est quand même pas très pratique hein, quand même. Il se barre. Je lui ai mis un donf dans la gueule. Y'a rien qui se passe là. C'est pas cette lumière là. Faut être face à lui. Ah bah, ouais. Ouais, je vois que j'ai quand même l'impression d'avoir fait quelques fois où il faut être face à lui quand même. Ah, c'était bien face à lui, quand même. Tu te retournes, tu relâches la lumière. Tu peux pas faire plus. Ah, il s'est barré avant, du coup. Putain. Mais juste, franchement la maniabilité est juste horrible avec la manette pro quoi. Je sais pas si c'est ça ou ça a rien fait là, je l'ai bouillé en pleine gueule, ça a rien fait.
Là, je sais pas, les projecteurs, je peux même pas les bouger, je crois. Mais ta gueule, toi aussi, là, putain, et c'est horrible, ça. Ça. Là, tu vois, ça fait rien, ça. Si encore t'avais un truc pour te retourner rapidement, mais t'as rien en fait, pour te retourner rapidement. Il se barre dès que tu le touches, c'est quand même chelou ça. Enfin, il se barre dès que... Ah, ou alors faut peut-être attendre qu'il se mette sur ses pattes en haut là. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, par contre, ce son il est juste horrible quand t'as plus de vie, quoi. C'est vraiment la pire idée du monde, quoi. Donc, c'était ça, ouais. Il fallait attendre qu'il se transforme en super chat, entre guillemets. Quoi. Une ville des fantômes. C'est quand même la pire idée du monde, ça. Non, il n'y a pas de cœur là-dedans. Ah si, c'est quand même. Ouf. Près dans les maisons. Alors ensuite, ah, il est là-haut. Boss. Il est tout. Évidemment, il fallait qu'il soit là-haut. Elle est partie à l'étage du dessous. Partie à l'étage du dessous. Ah ouais, quand même. On va aller se la chercher à l'étage en dessous. Quoi. C'est quoi ça? Deux trucs. Oh putain. Pas deux, non, pas deux. Qu'est-ce qui peut nous... Alors qu'est-ce comment tu peux te soulever avec un truc pareil? Un truc. Il faut le faire plusieurs fois tout simplement.
Ah, ou alors il faut utiliser la lumière des couilles là. Ouais. Ouais. Ok. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Putain, c'est une blague. Tiens. Non. Oh yes. Oh yes. Bon, c'est fini les blagues là. On peut descendre. Du coup, TH7, évidemment. Ah, je suppose qu'elle est partie par là, le chat. Parce qu'elle est partie en dessous. J'imagine que c'est ça. Pire ascenseur du monde. Paix ascenseur et mort. Ah, 7e étage, le chat. Alors, petit chat. Petit petit chat. J'ai pris celle-ci. Ça. Non, ça avait pas compté toutefois quand je l'avais fait. Si, ça avait dû marcher quand même. Voyez où le chat là. Est-ce que moi il est parti par là? Parce que c'est pareil, on s'emballe, mais. Ah. Ah oui, putain de saloperie. Coup de maglite, tac, n'en parle plus. Bah bon, pas non plus s'extasier sur des bestioles comme ça. Hein. Petit chat, où es-tu? Petit petit, petit petit petit. Franchement. Ah, elle est là-dedans. Oh putain, c'est pas rien, elle a encore grimpé. Ah non, elle est là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ah bah tiens. Ah, pour acheter. Ah, ça va être le même cinoche encore. Hein.
Ah, il faut vraiment, vraiment attendre, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment au bout du bout, quoi. Merde, putain. Le temps de se retourner avec ce truc, c'est... Tiens, donne ça là. On va se le faire trois fois, quoi. Ne pleure pas, Luigi. Et par où? Ah! Elle est là, moi. Non. Allez, montez. Elle est montée. Quel chat, le con. Il n'y en a rien en or là. Il faut les deux aspirateurs pour l'araignée en or, quoi. Ah si, c'est. Chelou. Allez. Est-ce qu'elle est là alors, du coup, cette petite? On va vouloir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Allez, faut, évidemment, faut les deux, c'est plutôt logique. Ah merde. Ah merde, c'est pas le temps de... Voilà. Ah, elle est là. Ah, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Et même un ectochat, ça aime pas le coup. Ah, je confirme qu'il aime pas l'eau du tout. Il n'aime pas l'eau du tout. Tiens, encore un truc. Bon bah, ça aurait permis de découvrir un truc.
Merde, attends, au moment où j'aurai la chatouche, quoi. Allez. Ah oui, en fait, c'est celui qui vient. Mais non. Ah non. Rien. Ah, il est pas mort encore le chat. À mon avis, ça va revenir ça. À mon avis, ça va revenir ça. Le chat n'est point mort. Attends, du coup, on va voir est-ce que notre ami. Est-ce que ça nous emmène ça. Ah! Putain, y'a que ça. Un truc de fou. Vas-y, essaye quand même. Oh putain. Faut le trouver le truc. Hein. Putain, il manque encore un paquet. Il manque un paquet de gemmes. Ah non, il manque deux. Non, attends. Nous, ce qu'on voulait, c'était retourner en bas. C'est sûr que tous les autres trucs, ça va être que des bazars pareils. Essayer de trouver des. Tu me diras, il suffira d'acheter des trucs pour trouver les gemmes. Puis ça ira bien. Mais c'est ça en plus, attends, mais je suis en train de réaliser. Il y avait un fantôme là dans le truc qu'on entendait dans le hamac. Putain, mais j'y ai pas pensé à l'éclairer avec la lampe ultraviolette là. Parce qu'il y a un fantôme dans le hamac. Ah oui, c'est vrai que c'était par là. C'était par ici. Je suis déjà en haut. Attends, c'est pareil. Youpi! Hop là! Il était là le fantôme. Oui, c'est ça. Attends, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc chelou, non. C'est bon. Non, c'est bon. Ok.
vrai que c'est... Il faut le remettre à... Ouais. Il est content. Il est content. Bon, ça c'est bon, j'y suis passé là-dedans. Il y a un truc là-haut. C'est tout ? Ah merde. Mais non. J'étais persuadé qu'on allait dégoter un fantôme. Bon bah non, non. Tant pis. Comme curieux ça. Ou alors on récupère un autre truc après, donc plus tard dans le jeu. Ce serait quand même curieux d'en voir un. C'est curieux de l'entendre et de pas le voir quoi. Il n'y a rien. Allez, on descend. Parce qu'il y a rien qui se passe ici, non, non. Bon, définitivement, on les cherchera plus tard les... On cherchera les gemmes quand on aura le truc, et surtout si ça vaut le coup, parce que... Je sais pas s'il y a une notion de vraie fin, fausse fin... Panne de fin... Tu penses streamer ce soir, Christophe, ou quoi? Enfin. Enfin, 9e étage. Musée d'histoire surnaturelle, accès. Nope, pas ce soir. Ouh, je pense que ça sera l'année prochaine, parce que là... J'ai franchement... Moi bon, j'ai juste pas le temps quoi. Non mais comme je jouais avec je vais leur dire Benjamin et Guillaume là, que tu... Vous êtes repartis dessus. Bah oui, c'est pour ça ouais. Parce que franchement avec tous les jeux qui sortent, plus le déménagement, le machin, le truc, le bidule. Je vois juste pas quand est-ce que j'aurai le temps d'y jouer en fait. Ah
Ah oui, mais voilà, le problème c'est qu'il faut déjà utiliser ça. Ça, tu sais que ce truc-là te permet de passer à travers les téléviseurs. C'est ça qu'il disait tout à l'heure. Ça ressemble à mes inventions. Oui, cette cartouche projette sur votre carte l'emplacement d'un bout. Il y a une cartouche par bout. Cette carte projette sur votre carte l'emplacement d'une gemme. D'accord. 1000, 1000, 1000. Ah, Marc Smira, il est pas relou avec sa boutique, lui. Tout est à 1000, quoi. Ah, comme quoi, là, il en faut 30 000 et il faut du blé, quand même. Ah, il est là, Toad. Il est là, Toad. Ah tiens, on va aller vider un peu le... Allons vider tout ça. Enlaceur. Languisseur. Petit fier à bras. Fantôme rare. J'en ai eu un seul, aucun, je veux dire. Voyons. Les fantômes notables. Fausse note. Charles Minus. Professeur Folienne. Allez, encore un paquet. Il y a des bouches, je sais plus si j'en ai chopé un. Ah si, il y a Boogie Woogie, j'en ai chopé. Ah bah rien. Dire qu'on avait l'argent. C'est dans le gros, le sous-sol, il m'en manque deux encore. De quoi? Tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ça comme pierre. Ah oui, il y a tout ça comme pierre. Allez, retournons à l'hôtel. Pourquoi tu passes par là? Parce que du coup, on retourne directement où on a été. On a trouvé ça. Ah, plutôt on retourne directement d'où on vient. Pour parler français. Un peu de bien aussi. Il y a tout ça dans le hôtel. Il est grand l'hôtel. C'est quoi le truc à l'intérieur? Ça va être une perle. Oui, j'en ai déjà une de perle, moi. Ah oui. Oui. Quand tu vas dans le garage. Un truc pour casser la vitrine. Oh, j'en ai pas eu. Ce qui serait de marrant, ce serait de pouvoir te balancer Gluigi. Ah. Toi, une patte de dinosaure. Ah. Allez, ah quand même. Ouais, t'as vu un peu? Ouais, mais c'est un oiseau doré. C'est un oiseau avec des tunas. Il y aurait Tom, il dirait que ce serait son côté juif. Ah, je crois que j'ai eu les deux. Ah, voilà. Ah, il y a le cochon de Toy Story. C'est bon, ça. Je sais pas s'il y a deux, ça change grand chose. Non, deux, ça change rien. Ah.
Ça s'aspire à deux, ça, à mon avis. Et du coup, c'est vrai qu'en multi, ça va être marrant, quand même. Oh, je l'imagine bien en boss de fin, le... J'imagine bien en boss de fin, T-Rex, là. C'est obligé, il y a des trucs qui vont être cassés partout, et ça va être le bordel, ça, comme ça. Il bouge en plus, c'est bon ça. Oh, il y a un Toad encore. Hello. Hello. Ah, c'était sûr ça. Surtout, on ne bouge pas. Sa vue est basée sur le mouvement. Ah, c'est parce que du coup, il en faut deux, non? Ah oui. Pas d'un truffe du coup. Ah merde. En fait il le vole direct lui. Ah, c'est bon ça. Excellent. Ah bah évidemment. Ah, ça va céder là. Ouais. Ça va couper cher. Mais non, il est con. Il est con ce Luigi. Putain.
Il a pété toutes ses cages thoraciques. Ça y est, ça va bien. Super, quoi toi. Ils moqueraient de mettre leur nom, ça serait marrant ça. Ah oui, d'accord. Ah, il veut pas. Ah oui, c'est d'accord. Cette petite musique a donc est con. Faut vraiment attendre qu'il fasse son coup. Ouais, voilà. Allez. Ah non. Des fois, j'ai peut-être un peu vite à aller choper les mecs. Fallait appuyer sur A là pour. Ah, là, du coup, tu fais descendre la vie. Là encore. Là encore, ça marche. Tiens, je vais mettre un petit coup. Tableau qui va sortir, bah oui là. Toudoum. Allez. C'est un peu évident qu'on sauve les taux d'abord. Ah, basement 2. Okay. Ils doivent s'éclater les doubleurs à faire des trucs Nintendo quand même. Ah, je vois que tu as réussi à sauver un autre Toad, excellent. Escorte plus que l'ascenseur et je prendrai soin de lui au labo. Attention, il va nous aider à casser les vitrines. Avec sa tête de délinquant là. Top débarque quand même. Si c'est lui qui casse les vitrines, j'adore. Allez là. Oh. Ouais, trop bien. Il y a quand même moyen de se taper des barres, hein, du coup. Le truc, c'est que tu lances des... C'est comme le lancer de nain, quoi. On va se faire toutes les vitrines du musée. J'ai raté. Et casse-toi le taux de là.
C'était un peu... Putain, mais dégage! Je trouve que le concept de lancer de nains dans un jeu Nintendo, je trouve ça énorme. En plus, il est content. C'est un petit côté Jackass en fait. C'est un petit côté Jackass. Non ? Ah, y a un bouton là. Ah. Non, ça va pas marcher, j'étais trop loin. Putain, il en reste plus qu'un seul. On a bien trouvé quelque chose quand même là, non? Parce que du coup il y a rien, je pense pas. Oh, sinon c'est dans la salle du T-Rex, parce que dans la salle du T-Rex il y avait rien. Parce que vu qu'il nous en manque qu'un seul, c'est dommage de le rater quand même. Non, ouais. Quoi que c'est bien, ça s'aspire pas ça? Non. Ah non, ça c'est mes trucs. Et par contre, au parc d'attractions Nintendo, il y aura moyen de faire des belles maisons des. Comment ça s'appelle? Maisons fantômes? Avec un Luigi's Mansion comme ça. Et l'autre il fait pouet pouet comme le jouet de Margot quand il marche. Non, mais non. Ah mais non, c'est Toad, il en a déjà donné un. Ah non, Toad il avait donné un. Il avait donné un. Là, ça s'appelle. Non, ça fait déjà 2 heures que ça tourne. Peut-être faire une petite pause. Faire une petite pause là, une fois. Bon. Curieux parce que je vois pas trop ce que tu peux. C'est moi qui puisse y aller de l'autre côté des barrières là. Non. Si Amy, tu peux aller de l'autre côté des barrières, j'arrive. Je pense déjà s'il en manque qu'un seul, c'est plutôt pas mal. Hein. Dégage. Ah, moi sinon je chope là-dedans. Là. Tu veux pas les casser ça, non, toi? Non.
Je sais qu'il y a un truc avec celle-ci là. Tiens, regarde-toi. C'est dans le soufflant, non? Si genre t'es deux à souffler. Et si t'aspires. Putain, bon bah. Tant pis. Bon, on trouvera plus tard. Ouais, quatre. Il en manque qu'une, c'est déjà pas mal. Ah, ou alors c'est ça. Ah ouais. Mais, sous ma gueule. Lui. C'est juste ça. Quelle tristesse. Quelle tristesse. C'est dommage, j'étais persuadé que j'avais trouvé. Non. Puis là, il n'y a pas de bouton vert là. Non. Dommage. Je l'ai passé au payphone ou pas, non? Bon. Ah, ou alors, attends, il y a un truc à faire avec le ptéro, peut-être. Ah, voilà. Bingo. Bingo, l'haricot. Pour votre collaboration, cher monsieur. Pourquoi tu ne vas pas avec lui? Pourquoi? Juste pourquoi? Ah, le chat. Et allô? Que reste-t-il encore? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Encore un taux de la princesse Peach et Mario. Courage, tu en es presque à la moitié. On va dire ça comme ça, oui. C'était quoi ça? C'est juste le tonnerre qui fait trembler l'écran comme ça. Est-ce que ça fait bien les trucs? Ça fait genre moins 1, moins 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Il y a bien un deuxième sous-sol. Oh yeah. À la chaufferie. Évidemment. C'est cool, on a trouvé tout. Ah non, c'est tout.
Ah, il est cool la musique ici. Là. Aussi ronque, normal quoi. Ouais. Retrouvez le carnien et combattez-le. Du coup, tu peux pas passer ça? Ah si, tu peux. Passer derrière la cage d'escalier. Il y a des souris dorées là. Tu vois, il y a une pièce secrète là.
Ouais, on va aller faire la bouffe. C'est pas le tout, mais... Oh là, il faut tirer le chariot là, non ? Pas ça, ça ne sert à rien. Bref, ça m'énerve. On fait n'importe quoi. À moins que tu puisses passer par le basement one. Ah, parce que là aussi, c'est pareil, t'as du truc là-haut. Ah, j'avais pas vu, c'est vrai que quand tu regardes bien là-haut, t'as... Bon, on verra. Allez.